Oh mais non, c'est pas vrai, toujours le même. Oh non mais non mais non mais c'est pas vrai. Oh, saleté. Bon apparemment le type en le type comment dire. Ah du coup j'arrive même plus à parler. Le type qui est blindé apparemment il finit toujours par venir dans ma direction. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre bien sagement qu'il vienne. On l'assomme et après on peut continuer. Ah mais c'est vrai que c'est casse-pied ce truc. Ou alors je balance une bombe sur la voiture qui est à côté de lui et puis je le descends quoi. Mais le problème c'est que faut bien viser quoi. Bon écoutez, on va faire ça. On va se planquer ici. Comme ça le type, il va bien finir par venir. Ah bah attendez. Ah mince, ça c'est une vraie explosion. On va essayer de l'attirer un petit peu vers nous. Si c'est possible. Mince, où est-ce qu'il est le... Ah bah mince, ils sont là. Les leurs sont ici, je les ai même pourvus. Attendez, voilà. Voilà. Voilà, il suffit d'être patient. Oh, par contre, l'hélico, là, il n'est pas un endroit qui m'arrange. Voilà, j'ai bien fait de revenir en arrière. Par contre, lui, lui, je voudrais bien. Oh, non, mais non, il repart. Ah, bah attendez, il repart. Ah, ça m'arrange qu'il reparte pas là. Par là. Je sais même plus parler. Et tiens, t'es à terre, ça c'est pour toutes les fois. Tu m'as tué, toi et tes potes. Voilà. Vengeance personnelle. Et puis pour les autres, pas de quartier. Voilà. Encore cinglé. Il y en a tellement. Mince, 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 mince. J'ai failli faire la boulette du siècle. C'est pas grave, je vais neutraliser. Et si on me repère, je peux toujours mettre les voiles. Oh oh oh! Oh, c'était chaud. C'était tellement chaud. Tuer tous les miliciens ont échappé leur. Je me ferai une joie de tous les tuer. Est-ce que je tente le coup? Est-ce que je tente le coup? Sérieux, normalement je dois pouvoir l'atteindre quoi. Alors le pilote de l'hélico n'a même pas remarqué que. Voilà. Gentil, puis il avait même pas remarqué que je lui tirais dessus. C'était pas une bonne idée. Coucou toi. Voilà. Oh méchant. Allez, ramenez-vous. Allez-y, venez, venez, allez. Boum! J'ai tué personne. C'est cool. Non, qu'est-ce que je fais? On garde le lance-grenade, c'est pratique. Non, on prend ça. Meurs. Et ton pote aussi. Ton pote aussi. Ça, c'est pour tout ce que vous m'avez fait. Là, j'aurais pu partir discrètement. Hein. Je sais que j'aurais pu. Non, 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 je veux survivre. Je veux survivre. Bon, contre les gros, là, on va... Enfin, les costauds, je veux dire. On va sortir l'artillerie lourde. Oh, 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 mon Dieu. C'était tellement beau. Like a pro. Voilà. C'est qui, le patron? Ça y est. Toi, tu meurs. Qui d'autre? Toi. J'ai tué un civil. Dommage. Fallait pas être là. Fusil à pompe, allez go. Fusil à pompe. Fusil à pompe. Il est où l'autre? T'es où? T'es où? Sors de là. Sors de là. Je te l'ordonne. Voilà, dans la tête.
Allez, on va aller chercher les autres. Voilà, vengeance pour tout ce qu'ils m'ont fait. Parce que j'ai vraiment galéré comme un malade. Eh ben attendez, je crois que c'est un mec qui est là-haut, quoi. Attendez, qu'est-ce que je prends comme arme? Oh, un petit pistolet mitrailleur, ce serait sympa. Pistolet mitrailleur, voilà. Parce que je n'ai encore jamais utilisé ces pistolets mitrailleurs. Mais allez vous planquer, nom de nom! Il y a déjà un mort. Coucou. Ça c'est fait. Et qu'est-ce que tu fais paumé là-bas, toi? Bon, si tu me cherches, tu vas me trouver, hein. Crois-moi, tu vas me trouver. T'auras pas d'autre choix que de me trouver. T'es où? Où tu es? Où es-tu? Ah, mais franchement, mais... Où est-ce que t'es parti? Pourquoi t'es parti par là, toi? T'es débile? Je suis là! Coucou, je suis là! Viens me chercher! Oh purée, c'est pas possible. Faut vraiment que j'aille le chercher. Ah, ça va, c'est bon, on l'a perdu. Ah non, 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 tu vas pas t'en sortir. Ah non, non, non. Non, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. J'ai juré que j'aurais ma vengeance, je l'aurai. Sur tout le monde. On a accès au QG de Bloom. Oh, désolé d'avoir douté de toi. Parce que tu doutais de moi? Ouais, je suis réaliste. Oh purée. Écoute, je suis en train de créer un virus qui va m'effacer leur système. Donc, si je comprends bien, il me reste plus qu'à aller l'installer chez Bloom. Y a quoi comme sécurité? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois qu'on peut dire... élevé. Ok, on va réduire leurs effectifs alors. Tu pourrais tracer leur camion de livraison? C'est intérêt. Envoie les itinéraires, on va aller les secouer. Alors d'accord, les gens sont tranquilles. Alors qu'il vient d'avoir une fusillade de malades. Personne ne s'affole. Normal. Bon, il y en a un qui a survécu, à mon grand regret. La semaine dernière encore, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Grâce à elle, Abigail, mon amie, était mon nouveau départ. Elle connaissait mon passé, et elle-même quand même. Et là, coup de téléphone, je lui avais dit que j'allais raccrocher. C'est quoi ce plan, Maurice? Une putain de confession à deux balles? Tu crois vraiment que ça va me faire changer d'avis? Je crois qu'avec ma voiture, j'ai écrasé quelqu'un contre un mur. Oh purée. J'ai entendu le bruit, ça a fait cric. Oh mince. Oh purée, j'ai blessé un civil. Les gens de Chicago connaissent absolument des dysfonctionnements sans précédent. C'est le bruit que ça fait, surtout qui me fait rire. Attendez, c'est pas une bonne idée de passer par là. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Mince, du coup, je me perds. Bon. Voilà, on fait la mission principale suivante. Non mais... J'ai vu le truc se faire et j'ai entendu le crack. Oh purée, c'était pas mal. Bon, confession de Maurice, l'assassin de Lena. Et donc apparemment, ce bon vieux Maurice, enfin ouais, ce bon vieux Maurice, ouais, c'est notre ennemi quand même. Eh bien, il semblerait qu'il... Bon, il n'ait pas eu le choix. C'est en tout cas ce que nous laisse penser cet enregistrement. Et il y en a d'autres, évidemment, il y en a plusieurs, hein. Plusieurs messages dispersés un petit peu partout dans Chicago. Oh, joli. Bon, j'ai pu me défouler, j'ai eu ma vengeance sur la plupart de ces méchants. C'est vrai qu'il y a toujours un moment dans les jeux vidéo où on galère un peu. C'est pour ça que des fois, quand je joue tout seul, hein, quand je ne fais pas mes vidéos, parfois, je ne sélectionne pas les niveaux de difficulté très compliqués. Je prends un niveau de difficulté correct, normal, qui me fait pas trop galérer, parce que j'ai juste envie de traverser l'histoire, de me détendre et de réussir. Hein. Effectivement, tout dépend de ce qu'on cherche. Là, pour ce let's play là, je voulais un petit peu de difficulté. Je l'ai eu, je l'ai, il n'y a pas de problème.
Bon, c'est vrai que ces moments-là, c'est jamais des moments qu'on aime beaucoup, hein. Mais bon, il en faut bien. La milice de Pony est composée d'agents de sécurité freelance. En gros, s'ils font une connerie, ils perdent leurs clients. Si je leur fais faire des conneries, ils enverront plus d'hommes. Et du coup, il y en aura moins au QG de Bloom. D'accord, donc il faut faire des conneries. Arrêter le convoi? Aucun problème. Un petit coup de lance-grenade. Pour envoyer par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Eh ben, un bon coup de lance-grenade. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce carré, là? On va aller voir ça. Est-ce que j'ai encore des munitions lance-grenade aussi? Ouais, c'est bon. Le mec qui traverse la route, un lance-grenade à la main, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est, on verra ça plus tard. Donc il y a plusieurs apparemment véhicules. Plusieurs apparemment véhicules. C'est pas très français ça. Bonjour messieurs. Oh purée, les civils ils ont eu chaud quoi. Oh neutralisé! Qu'est-ce que tu crois faire? Attendez, c'est lui que je dois neutraliser? Sérieux? Est-ce que ça veut dire neutraliser ou neutraliser... Ah non! Non! Pardon, c'était vraiment pas classe. Le non! Désolé, je... C'était vraiment pas joli de ma part. Non, non, neutraliser, non, c'est mettre au sol, oui. Mettre au sol... Là, c'est mettre au sol, mais neutraliser, c'est on peut tuer. C'est vrai que j'ai eu un doute, donc du coup, je me dis, mince, j'ai eu un instant d'hésitation, ce qui fait que j'ai pas tiré le lance-grenade. Évidemment, si je l'avais fait, je l'aurais tué. Encore une erreur. Comme quoi, il faut pas hésiter. Quitte à tuer le mec alors qu'il faut pas, c'est mieux. Autant tuer le mec alors qu'il faut pas, plutôt que de se faire tuer. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. L'acte 3 est assez compliqué, hein. Enfin, j'ai du mal à faire l'acte 3. On va peut-être pas sortir l'arme tout de suite, parce que sinon, on va peut-être se faire un peu trop repérer par les civils. On va les effrayer un petit peu trop, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être le truc que je peux faire exploser. Ah non, apparemment, c'est là-haut. On verra bien. Bon, deuxième essai. De toute façon, on s'en fiche. La finesse, c'est pour les nazes. Non, en fait, c'est pour les vrais pros, mais... Faut bien que j'essaye de me défendre. Hop. Hop. Mais c'est quoi ce véhicule, là? Sérieux? Eh oh, toi, tu m'interromps pas. Oh, purée. Je me suis fait défoncer. Bon, ok, d'accord. D'accord, ils ont un véhicule blindé. D'accord. Là, je craque. Là, je craque. Je commence à faire vraiment n'importe quoi. Je suis désolé. Veuillez m'excuser. Donc, apparemment, le lance-grenade n'est pas forcément une bonne idée. Ceci dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de recommencer avec. Ah bah, je vais le faire, hein. Je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Comptez sur moi. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Non, je pense qu'il faut que je sois un peu plus planqué. Comme ça, je pourrais tirer de façon un peu plus sûre. Ouais, là, j'ai un bâtiment, donc c'est bien. Ben, ils vont arriver un petit peu vite, je pense. Donc, il faut se dépêcher. Hop là, faut pas que je traîne. Attention, oh purée, les civils. Oh, les civils me gênent. Les civils me gênent. Oh la vache!
Non, 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 certainement pas. Bougez les civils, bougez. Je suis en train de gaspiller mes munitions dans ce grenade, c'est pas intelligent. Oh mais non, mais il est... Oh, décidément, l'acte 3, il est costaud. Hein. Bon, je suis désolé de vous proposer une performance aussi médiocre. Mais si je visais un peu mieux au lance-grenade aussi, ça n'arriverait pas. Non, parce que après tout, les types costauds, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Faut les dégommer. Faut utiliser la force brute. Et là, bah... Là, j'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. Donc, on y retourne. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Avance, Aiden, avance! Ah là 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 là. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je le sens bien. Oh, oui, bien. Oh, bah non, non, je suis pas assez. Mais je m'attendais à ce qu'il passe juste là, alors que non, c'est par là-bas qui est. Non, non, c'est pas une arme. Allez-vous-en, monsieur. Pour votre sécurité, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous soyez blessé, mais courez pas vers la route. C'est là où c'est le plus dangereux. Et bah voilà! Voilà! C'est simple! Non? Eh oh! Bon bah voilà, c'est pas compliqué de remplir une mission! Bon, Bloom a pris un coup dans l'aile. C'est le moment d'agir. T'inquiète, on pourra les faire à Chicago. Ça y est, ton virus est prêt. Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plutôt plus. Ça devrait marcher, enfin je crois. Attends, tu te fous de moi? Je vais me jeter dans la gueule du loup, là. Et panique pas, contente-toi d'atteindre leur serveur. Moi, je m'occupe du reste. Elle est belle, la légende vivante. Merci, Clara. La quoi? Merci, qui? Laisse tomber. J'adore, j'adore. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux acheter là-dedans? Et est-ce que... Salut. Bah voilà, il y a des choses à acheter. Non. Au revoir. Merci beaucoup. Le mec, déçu quoi. Bon. C'est bon, il y a eu une fusillade, il y a un mec qui est mort. Comment c'est possible? Je croyais que c'était hyper sécurisé. Ok, d'accord, il y a un cadavre juste là, mais ça les affole pas plus que ça. Bonjour monsieur, vous êtes mort. Alors je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Je craque. Bon, je pense qu'il est temps de faire une pause. Je vous remercie d'avoir suivi ces épisodes de Watch Dogs. On se retrouve très bientôt pour la suite du Let's Play. Salut tout le monde, à la prochaine. Il était pressé de partir lui. Quoi? Oui, c'est un cadavre. Attention au panneau. Non mais qu'est-ce que c'est que ça?